Oui, c'est des toilettes TQ5 ce qui est une zone non verte à Kizram, référendum à Mendao, أنو حنا نوي يسكسي غا فوان شتاكي يعني نبقاو نواسكي يلتاسي تموت يقباليا حمو بومدين ولا متيديا كان ودوين يتساوي نقص إما كراد نقواسين دي كونتريبيسيون سوازن فرنسا أما تي لي زغيوين نهضر غادي يوات دي تموت نتساري تمسلاين سيسم نموسو نعملو كافير وكافير ار بي كا راسومبلومون بور لا كابيلي أجراوي ثموث نيق فاليين نسيني رحمو أزول فلك أحمو أزول فلك رشيد أزول فلك أزول فلا ونيق لي وقيد عدي تحسيسا أزول فلا سنيق وقيد كتاب عنا تجي غريتها جينيك تنمي تحمو مذن في جيويسين ذي كمال المكتفير ثم تنمي موتي تواليين دعني ذي ونكني يقدش نطاش طاس يتشث الحيرة في لحالة انتمورث كي نقاس فرانسيس الناكتيفيست نعم ذا مغناس ذا ذا مغناس نتوكذوث أو أكذو في الدل أنه نقرأ ذي ثموث سيناري كمال زلف لك كمال أزول فلك أنا شي تنمي أرتاح دعرضان أزولي ويا دي سلان أزولي حبيب لنا دي أكرا نعض أنا سي نسعد عني يوني نفقي أرجين ثوالا متيد دكا كي ذا مستان ذا فوغاتو ذكي ذي موريال ذكي ذا مستان صوفيان شويتر الله ليس دقس نطيني يوم تمسعين أتقبلي تنشتكي عن رجل نهار أن أتي أدي لوس كسياكي وغير فرانسيس ولا تقبلي وغادي زمنا دران تقبلي متر شويتر صوفيان دوين نقلتش نطاس أطاس أغفي زرفان نومدان أغلي ميليتون دي دروا دي لا بيرسون لمن لكن قادة كي الكيبك دي با لي دروا دي لوم لكن قادة فرانسيس خطر ستونا كي كيتيك والفي لوين هي الهام كي السمانه كي الكيبيك لا بيرسون هومان السينير اي سوفيان السينير بونجور ازول في لايك سوفيان ازول في لايك بونجور اي بونسوار ا توس ميرسي تو لو موند دافوار اكسبتي دونك لانفيتاسيون دو تي كيو 5 تن ميفنوان هاف ان زوين كي كاين سيتمور سيتمور نحاك من مدنا وين ذا شكي دغانا كي انا ساكين لسن تفرانين ريفيرندوم دي ثموث هذا زوير سي حمو بوم دينار في كذاك كاين لي طا دي ليو اش كي ضغنا كدي ثموث بون ثاني مثل وين اونكور اون فوا دي ني جول في لاون يوقيلا كي غادي تحسيسا دونك لي طا دي ليو سي دونك امي كنا زغان بلي ساكي تعاد يدي هكا يدي هكا pouvoir agir pour l'organisation du référendum. Donc, il a essayé par usurpation de l'histoire de le coïncider avec le 1er novembre 54. Donc, d'abord, il est dans l'usurpation des dates symboliques qui doivent normalement rester des dates rassembleuses de tous les Algériens, indépendamment de leur option politique. Donc, ça, il est toujours dans l'instrumentalisation d'une date symbolique pour l'organisation de ce référendum. Mais passons, on va revenir d'abord sur les résultats qu'il a donnés officiellement. D'abord, au niveau national, c'est 5%, à 14h, 13,3%, à 17h, on était à 18,44% de votants. Madrini, 17h vers 18h, on a jusqu'à 18h, parce qu'à partir de 18h, ça me dit où la veille. Donc, probablement, on sera sur un taux officiel, même s'il venait à le gonfler au maximum, il ne va pas dépasser les 30% de votants. Donc, ça va être peut-être une première où nous allons enregistrer le taux le plus faible participation d'une élection, d'un référendum organisé par l'État algérien. Au niveau de l'immigration, d'après les chiffres que nous avons, ils sont juste à 4%. Je pense que vous pouvez même les confirmer par la faible participation au niveau de Montréal et dans toutes les autres régions du monde. Donc, il y a une très, très faible participation. Donc, c'est à travers les chiffres. Sinon, au niveau de ce qui a été rapporté comme ça, avec les contacts que nous avons,
Ahmed, il y a certainement un événement. Il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'engouement au niveau national. Il y a maintenant une particularité, c'est la Kabylie. La Kabylie n'est pas seulement dans le boycott, mais elle est dans le rejet. Dans le rejet. Et si vous voulez, je vais vous donner quelques chiffres qui sont de l'ordre de l'officiel. À Tizi Ouzou, on est à 0,06%. À Bouira, à 3,47%. À Béjaïa, à 0,28% de participants. Donc, c'est les chiffres qui ont été donnés officiellement. Mais sinon, Tizi Ouzou, on a mis un vote sur les 67 communes de Tizi Ouzou. 64 ont arrêté le vote. This one, déjà, ils ont arrêté le vote dans 64 communes. Alors, pour vous donner un chiffre et pour voir l'état des lieux, sur 697 bureaux de vote de Tizi Ouzou, il n'y a que 42 bureaux de vote ouverts au niveau. Et durant la journée, certains, c'est les 42 qui ont été ouverts, ont été obligés d'être fermés à cause de la contestation populaire. Sinon, sur les 50 communes, il n'y a que 50 communes, sur 50 communes, Hachasnet et Gildin, Fibourin, ils votent, sinon les 50 ont fermé le vote. C'est pour dire aussi que dans cette wilaya, c'est pratiquement un rejet total. Il y a pratiquement dans toutes les communes kabylophones, il n'y a pas eu de vote. Dans les communes Sitif, le nord de Sitif, donc les communes kabylophones, il y a 9 communes, donc il n'y a pas eu de vote. Gwynedd d'Arnion, toutes les communes kabylophones, Masseria, donc l'Azib, où lâche le vote, il y a eu même des escarmouches, donc des affrontements. Donc globalement il y a eu un vote, un boycott significatif au niveau national. Il y a un boycott, un rejet franc et net en Kabylie, avec pour certaines localités, pour la plupart des localités en Kabylie, donc elle a repris ses boîtes de la Kabylie. Donc voilà, il y a eu quelques affrontements ici et là qui se sont soldés par des blessures légères. Il n'y a pas eu grand chose. Il y a une information qui reste à confirmer par les Tchouzaïoun des Fétais des Ribouira, mais on va essayer de le voir. Nous connaissons aux Araram qui n'est si loin de Machi Daniel ou la Fiat Wakila, Matas Gemarnassin, Saulin de Belian, Wakin avait dit le boycott, Machi, le référent. Nous connaissons quand il a dit le boycott dans le cadre pacifique au Tilinarim Gérard. Donc, Hataya, Soumata, Vini et Devran, Assagir. Souvent, quand on se rajoute des choses adiques ou d'abord, les résultats définitifs, ma venu le dépouillement. C'est une facile qui a les chiffres exacts à qui nous sommes qui ont jusqu'à au moins 18 heures. هذا أكيد نيضا دابوا عندك إجمالا. اسمحي كان أدرنو كان يون باو اسمحي كان رشيد أدرنو كان أنا سي دونك كي تي ريليفي سي ا كونستانتين il y a eu une manifestation qui a été réprimée, une petite manifestation qui a été réprimée qui a essayé de constater la parade en néant المزيان هو قال لك يعرفون ادخل منها مشى كان خدم بيتم قتل قبيل تنميت احمو يمدو ضد كونستانتين قبل امس لا يكمل مكتفيه كيف دنا تزوانا امستان شويه صالح نتاع سي قسنطينه يتيدر دي مويال سي جوج 2012 انا حاس نفك دي في كرايس افان كي دينا حمو دونك فوالا مت شويه نوتر امي حمو بومدين فيان دو نو دوني ا بري لي شيفر بروفيزوار et vient de parler justement de ta ville natale, Constantine, il y a eu des incidents. Donc, à la lumière des résultats que vient de nous annoncer notre ami Hamou, quelle est ta réaction a priori?
Oh, ma réaction, il faut être franc entre nous-mêmes. Le pouvoir, il est en train d'imposer son agenda, à l'exception en Kabylie. Il faut dire, en Kabylie, ce n'est pas un mouvement de boycott, mais c'est un mouvement de désobéissance civile. Il a empêché le pouvoir d'imposer son agenda dans les territoires. Des wilayets de la Kabylie, à l'exception des autres. Le boycott, ça ne change rien du tout, mais il faut être franc. Ce n'est pas la première fois que la population boycotte les élections ou les référendums. On a vu même avant le Hirak, lors des élections législatives à l'époque des dernières années, je ne me rappelle pas exactement quelle année les dernières élections législatives, mais ça n'a pas empêché que le pouvoir reste toujours là. Là, je pense que les gens doivent comprendre, enfin, la population, ils s'organisent. Et maintenant, c'est de réfléchir de façon plus stratégique d'empêcher le pouvoir, le régime plutôt, d'empêcher le régime d'exercer le pouvoir politique dans la réalité par des mouvements de désobéissance civile, d'empêcher qu'il impose son agenda. C'est le seul moyen de la résistance pacifique avec un régime dictatorial et totalitaire. Bon, maintenant, il y a quelques bons mouvements de contestation. J'ai vu, par exemple, à Constantine, où il y avait une petite manifestation des jeunes militants. Certains, j'ai eu un contact avec eux, mais ils sont encore en état d'arrestation. Je n'ai pas encore eu des nouvelles s'ils ont été libérés. À Alger, ils ont libéré quelques-uns aussi cette soirée. Mais à Constantine, je n'ai pas encore des nouvelles s'ils ont encore été libérés. Donc voilà, le pouvoir encore, ils essayent d'imposer son agenda. Il est temps maintenant que, moi personnellement, j'ai partagé même dans ma page personnelle Facebook tout ça, il faut que maintenant on apprenne, toutes les régions apprennent les erreurs. Voilà, c'est pas la fin du monde. Peut-être que nous n'avons pas des visions. Des régions n'ont pas peut-être des visions stratégiques, mais avec ce régime, je pense qu'il est temps de lui retirer la possibilité qu'il exerce son pouvoir dans les terrains, de boycotter, bien sûr, il y a ses activités, mais aussi de l'empêcher aussi de façon pacifique, tu vois, comme ça a été le cas, par exemple, en Kabylie. En Kabylie, ce n'est pas un boycott. Le pouvoir n'a pas pu, au moins sur l'agenda des élections présidentielle le 12 décembre 2019 ou le référendum sur la Constitution, le pouvoir algérien n'a pas pu imposer son agenda. C'est la population. Mais la Kabylie seule, il faut dire la vérité, la Kabylie seule ne peut pas faire abattre le régime. Il faut que toutes les régions, au moins les plus importantes, je pense que de choisir cette voie stratégique beaucoup plus offensive, pacifique, parce que le pacifisme, ce n'est pas la passivité, hein, ce n'est pas rester à la maison et pas. Il faut être dans l'offensive, il faut empêcher le pouvoir d'exercer son pouvoir. Et je pense que c'est le seul moyen que le pouvoir soit il est obligé de négocier réellement son départ, parce que le pouvoir algérien. Il n'est pas réformable, hein, il faut dire la vérité. C'est pas un régime qui est capable, qu'on peut le réformer, modifier sa manière. C'est fini, c'est un régime qu'il faut l'abattre. Hein. Et il constitue un danger réel pour l'avenir du pays. Et il est temps que tout le monde, y compris surtout l'élite algérienne, faut qu'elle s'assume sa responsabilité. Et elle dépasse certaines limites, on dirait. Enfin, c'est ma perception, on dirait que l'élite algérienne a une limite, une autocensure, a la peur d'utiliser le terme, par exemple, la désobéissance civile, ne pas permettre le régime d'imposer son agenda. Je pense qu'il faut que l'élite ait le courage, parce que le peuple a besoin aussi, elle a besoin d'une élite qui a le courage de dire les choses et de donner justement d'avoir la plus stratégique pour faire abattre ce régime.
Merci beaucoup, Maître Chouetter. Merci, Mastan Chouetter. Pour l'escawal et Kamal Mokfir, Tsmetakan, Amastan Chouetter, Dwin et Tavrassis, Sauditer Mirishga, Yiwut Kvrats et Tidouklan Nirlan et Douklan, l'ONU, Asn Khamsan Khovar, je la pocherine. Et ça a été de l'ONU, nous avons un groupe de travail sur la détention arbitraire. Et je pense que nous avons et l'ONU, cette mascarade est rejetée par le peuple. Même si en dehors de la Kabylie, il y a une petite participation, il y a pas un fort boycott peut-être, il n'y a pas de rejet, il y a un boycott, il y a une petite participation aussi, mais ça démontre toujours que le peuple algérien rejette tout ce qui vient de ce système. Les autres régions en dehors de la Kabylie n'ont pas les moyens, n'ont pas l'expérience. Je ne dirais pas le courage, mais n'ont pas l'expérience pour aller de l'avant, suivre la Kabylie dans sa démarche de rejet des élections. Et donc, comme l'a dit Sofiane, c'est une forme de désobéissance civile. Donc, ça n'a pas donné ce résultat-là, bien qu'en Kabylie, on l'a démontré le 12-12, on a donné presque zéro vote, donc on a rejeté ce système, et le système lui-même le reconnaît à travers ses publications. L'une des publications qui démontre que ça lui a fait mal, c'est celle qu'a rendue public juste avant-hier, l'émissaire de Bourguignon. Donc, le pouvoir a envoyé une missive à Bourguignon pour qu'il invite à négocier avec le pouvoir au nom du Hirak. Et dans cette missive-là, il parle du gel des élections, du référendum, si on accepte de négocier avec lui, il va geler les élections, les référendums et aller vers des élections locales et législatives anticipées pour inciter la Kabylie, ramener la Kabylie à participer par la suite, plus tard, à un référendum national sur la Constitution, parce qu'il a trouvé que ça lui a fait mal, l'absence de la Kabylie, le rejet de la Kabylie par un zéro vote durant le 12-12, ça démontre que ça lui a fait mal. Et ça va lui faire encore mal maintenant que la Constitution est rejetée en Kabylie. Vous savez que l'exemple du Québec qui ne reconnaît pas la Constitution du Canada, il reste un problème jusqu'à maintenant à Rachid sur le plan institutionnel et constitutionnel dans le fonctionnement de la province du Québec vis-à-vis du Canada. Ça pose un problème. Quand une région ne reconnaît pas cette Constitution-là, il faut la prendre en considération et c'est un message fort. Maintenant, les autres régions d'Algérie, ils ont rejeté, ils ont boycotté ou ils ont voté non. La Constitution, il va passer. La Constitution, elle va passer parce que on n'a pas une forme de quorum qui va limiter le pourcentage à partir duquel on rejette ou on accepte une Constitution. Donc, c'est l'un des handicaps de ce système. La Constitution, malheureusement, elle va passer et nous le savons déjà. Les élections présidentielles, parce que le système, il a les moyens répressifs, il a les moyens médiatiques, il a les moyens, il a le monopole sur la scène politique d'imposer son agenda. La Kabylie toute seule ne peut pas freiner ce système. Mais la Kabylie, elle est en train d'affirmer encore son particularisme, elle fait encore dans une défiance politique envers ce système, et c'est ce que ce système doit capter, ce message-là, pour le comprendre et lui donner un sens à l'avenir, à tout ça, et aussi les autres régions d'Algérie doivent aussi
interpréter ce message de la Kabylie pour qu'il lui donne un sens et non pas l'interpréter d'une manière négative comme une volonté de séparer ou c'est une différence qu'il faut accepter. La Kabylie, elle est différente, elle a des avantages, elle a un historique, il faut la suivre ou sinon lui permettre d'évoluer à sa façon. Mais vous ne pouvez pas maintenir la Kabylie dans ce de subir la pression du système et celle des autres régions qui ne la suivent pas. Parce que la Kabylie actuellement, il est doublement victime. Je ne parle pas en tant que Kabyle, je parle en tant que un observateur de loin. La Kabylie aujourd'hui, elle subit des deux côtés. Elle subit et du système et des autres régions qui ne la suivent pas. Mais entre-temps, les ambitions de la Kabylie, elles sont freinées. Elle ne peut pas accéder à un système éducatif plus performant. Elle ne peut pas accéder à une gestion économique dont elle rêve d'avoir instauré en Kabylie. Elle ne peut pas se développer d'elle-même parce que le système la bloque avec la complicité indirecte ou directe, c'est-à-dire le retard politique, je dirais plus, cette complicité indirecte, c'est le retard politique subi par les autres régions d'Algérie et le retard que subit la Kabylie, il aura aussi un effet négatif sur le développement de l'Algérie d'une manière directe aussi, parce que c'est tout le pays qui reste paralysé, il est entre les mains de ce système. Donc, l'Algérie est entre les mains de ce système, elle va être paralysée, comme la Kabylie sera paralysée. Donc, le rejet de ces élections-là, au niveau national, nous l'avons vu, qu'il ne peut pas se faire parce que nous avons eu la démonstration. Les gens, ils ont peut-être espéré que les choses se passent autrement, malheureusement, pour une deuxième fois, c'est la répétition du 12-12 qui s'est fait. La Constitution, elle va passer. Maintenant, nous disposons d'un capital politique, nous disposons d'une certaine avancée sur la scène politique nationale, ce qui est quelque chose à valoriser durant une année de mouvement du Hirak, et essayons de construire quelque chose à partir de là pour avoir une vision lointaine du développement national sous une autre forme pour faire face à ce système. Voilà comment j'imagine les choses. تنمية كمال زيتون على حمبو بمدين هذا نود كوال كمال حمبو إنك كمال ذاكن الزموت اللقاني قبليا تحصل يا ذاك ويكي يوذي بدل أكذ عني تمنظي نظن تموث الجزائر يوغين تبعا كي نلبغين تموث القبيل لا موفد لكي ذاغني نبدي مبول حمبو ذاكن سوزاليس كمال إنك ذاكن كيباك كيف تقاريا لاس تموث القبيل الجزائر كيباك الكندا الكيباك ثورة مازالوا تعقل مازالوا ثورات تروكوني نغت تعقل نغت تعرف من دوثن الكندا غسمك غس اشتكي سا نمبيش با كومام لي دو زونتيتي افونس بيان كوم il faut لو كندا il avance لو كيباك il avance dans son coin لكن الكيباك غس كن يسحى كومام تود سيوين لي زانستيتيسيون بوليتيكي نيس تيجان تحود خاصة في ثلاثي في السينس غا في ليغيتاجينس يسعى سا بروبر فيزيون باسكو يسعى لي زانستيتيسيون اما البارلمون اما الغوفرنمون اما لي زيكول اكسيتيرا ذا شو ثورة أحموك شنين ذا شاد يسنك ثورة أبيك لي كونستيكين ولا يوك ذا شو توز كانت مثل القبائل ذي الزراكين مكاييليك شنين تشقاك تصم سلتاكين ذا شو تمغليني Effectivement, ثورة il faut d'abord Rachid d'abord je dois remercier les remarques pertinentes de Jimathma Kamal donc tout ce qu'il a apporté comme éclairage c'est pertinent. Je pense qu'Arachi, il faut qu'on dédramatise ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il a quand même dédramatisé ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est le but du pouvoir à travers ce référendum. Son objectif, c'était de se relégitimer parce qu'en 12-12, il n'a pas eu de légitimité. Tout le monde a vu que c'était une désignation flagrante de l'état-major de l'armée de, de,
Tebboune. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Donc, il était un président très, très, très diminué sur le plan de la légitimité populaire. Donc, ils ont essayé et pensé qu'à travers le référendum à Aguirre, ils vont corriger ce manque de légitimité par une légitimité constitutionnelle. Mais en fait, les choses telles qu'elles se sont passées aujourd'hui font que le manque de légitimité qui s'est aggravé. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'aussi, il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un boycott massif en Kabylie. Il y a eu un boycott avéré au niveau national. Donc, l'objectif du pouvoir n'est pas atteint. Il y a eu échec du pouvoir dans son entreprise. Donc, il n'y a pas lieu de dramatiser quand on dit que la Constitution a à dire, de toutes les manières, quelle que soit la Constitution, elle ne sera pas appliquée. Ça, on le sait. Mais qui dit ça? On n'a jamais appliqué les constitutions. On n'a jamais appliqué la constitution. Revenez normalement avec la maladie de Tebboune, la moindre des choses que le conseil constitutionnel doit se réunir déjà pour au moins constater est-ce que le président de la République est à même de continuer ses fonctions, surtout qu'il a dans le plan de charge INUS, la signature de la Constitution au cas où elle est validée. Donc, on risque de tomber dans une situation où une Constitution proposée par un président ne sera pas possible qu'elle soit signée par celui qui l'a proposée au peuple algérien. Donc, on sera dans une situation carambolesque. Donc, c'est pour dire, en fait, qu'il n'y a pas lieu de dédramatiser outre mesure cet événement. Et je pense que si la Kabylie a répondu de cette manière, c'est aussi par ça. C'est un rejet de la dignité, parce que le pouvoir a également non seulement il mais il va être carré à Rachid. Ça veut dire qu'il veut prendre les gens, je m'excuse du terme, mais il veut prendre les citoyens pour des cons. Qui pense qu'il a affaire à des citoyens, à des imbéciles, or que le mouvement, du moins de ce qui s'est passé, dès le mois de février, il y a un RSA, un Ouédin, un Berlin, et Dzéré, une Fante, Zarant, de Chivante. Nant, c'est des trajectoires très claires. Maintenant, la question est bien du lien qu'a soulevé Kamel, du lien entre la Constitution et Femme Rafael. Moi, j'ai fait une contribution par rapport à ça, où j'ai dit, Bellic, dans laquelle j'ai dit que c'est grave l'entreprise de la nouvelle constitution qui a été opérée par le pouvoir en sachant pertinemment que la Kabylie ne va pas voter. Parce que je mets la constitution. La constitution, c'est à deux volets. C'est à deux volets, la constitution. La constitution, je parle sous le contrôle et la bienveillance de notre ami avocat. La constitution, elle a un ordre juridique pour organiser l'État, mais c'est aussi un contrat de tous les citoyens. Et aujourd'hui, que la Kabylie n'a pas voté sur la Constitution, c'est une forme de rupture dont l'entreprise qui n'engageait pas le pouvoir, c'est une forme de rupture avec l'État-nation algérien. Donc, il porte aujourd'hui une responsabilité politique majeure dans une rupture symbolique de la Kabylie avec l'Algérie. Et ça, c'est le fait du pouvoir. Très bien. Parce que si, par le 12-12, la Kabylie n'a pas voté pour un président, ça peut s'expliquer, ça, on peut le comprendre, etc. Il y a toujours des bastions pour un président. On le voit aujourd'hui dans les États-Unis, où certains États votent pour les démocrates, certains États votent pour les républicains, etc. On peut avoir des explications, Yagir, de vote territorial. Mais quand il s'agit d'une constitution, non. La constitution, c'est le fondement qui constitue le contrat social de tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur compte, de leur langue, de leur culture, etc. Mais si le pouvoir venait à valider la constitution, il doit immédiatement reconnaître aussi le droit au peuple kabyle à l'autodétermination interne. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation
où une région tout entière marque une rupture totale avec l'ordre constitutionnel de l'État algérien. Donc ça, c'est cette entreprise qui a été engagée par le pouvoir dans les conditions où qu'il connaît et qu'il sait, est source aujourd'hui de problèmes et de risques. Néanmoins, il a planifié à diminuer. Là, maintenant, il y a une petite nuance. Nous, on n'a pas, on n'attend pas de reconnaissance de ce système. C'est pas de se nous connaître. Simran Hassan, nous avons dit, on n'attend rien de ce système. Dans la dynamique, on est aujourd'hui dans une demande de reconnaissance par le mouvement populaire. On veut que la problématique de la Kabylie soit posée dans la transition démocratique. Parce que nous, on considère qu'il n'y a pas de solution avec ce système. Il n'y a de solution que par un processus démocratique dans lequel la Kabylie va être reconnue dans son droit à l'autonomie ou dans un statut particulier. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans une interview. Il m'a demandé est-ce que si le pouvoir algérien autoritaire, militarisé, venait à accorder l'autonomie, est-ce que vous serez d'accord? On a dit non, parce que c'est un faux. C'est un faux. C'est une fausse autonomie. C'est une fausse. Nous, on considère que tout processus d'autonomie doit s'accompagner d'un processus de démocratisation des institutions. Mais nous, normalement, on a fait le mémoire qu'a Rachid précédemment, c'est que dans tous les mouvements, tous les processus de démocratisation qui sont passés à travers le monde, parce qu'il faut toujours, comme je l'ai souvent dit, prendre exemple de ce qui se passe dans le monde, le Québec avec le Canada, mais si on veut aborder la question de la transition démocratique de l'Algérie, il faut l'intégrer dans les processus de transition démocratique dans le monde. Or, Véchou est la spécificité de la problématique qui se pose pour nous. La problématique qui se pose pour nous, c'est que nous sommes une société multiculturelle. Il y a des différences dans les régions. Il y a une forme de diversité culturelle, linguistique et même culturelle, puisque les Mozabites ne sont pas du même rite que la majorité des Algériens. Pour certains, ils sont dans la non-croyance, dans une croyance un peu spécifique. Mais là, de nous rappeler par l'islam kabyle, il est un peu plus soufiste qu'autre chose. Il est dans la tariqa Ahmadiyya. Pour d'autres, c'est dans d'autres courants de courants religieux. Donc, il y a cette diversité. Donc, on ne peut pas aborder la question de la transition démocratique en faisant abstraction de ces réalités. Il faut intégrer la question de la transition démocratique dans ce qu'elle pose comme problème de construction d'un État démocratique, mais aussi dans l'aspect de l'organisation de l'État qui permette le droit à la reconnaissance de toutes ces différences. Alors, si on prend les exemples qui correspondent au modèle algérien, c'est le modèle espagnol, c'est le modèle de la Bolivie, c'est le modèle du Chili, c'est dans les pays où on a une diversité culturelle, comme je peux prendre l'exemple de l'Indonésie, que dans un pays musulman aussi. C'est dans cette typologie de système, de société multiculturelle qu'il faut aborder. Parce que si on prend le cas, par exemple, de l'Espagne, de la Bolivie, de tous les pays de l'Amérique latine, il y a même, on l'a vu au Sénégal, même du Soudan, parce que des nations multiethniques et multiculturelles et multiculturelles, ils sont passés par la laïcité, ils sont passés aussi par la régionalisation comme modèle d'organisation de l'État. Donc, nous connaissons. Si on va aller dans une transition démocratique qui ne tient pas compte de ces réalités, elle va aller droit au mur. C'est pour ça que nous, on dit que la transition doit aller sur deux pieds. Le premier, c'est la refondation de l'État. Le deuxième pied, c'est la démocratisation institutionnelle
des structures de l'État. C'est sur ces deux pieds que doit se construire la transition démocratique. Peut-être plus que tous les autres, mais presque, c'est évident, mais des choses qui sont là. Donc, il y a aujourd'hui une demande de reconnaissance. Pas seulement une reconnaissance, mais non, on a besoin d'être reconnu en tant que tel. Et en tant que tel, c'est en reconnaissant notre dawa, à développer notre culture, notre langue, notre territoire, et sans bien sûr porter atteinte aux autres Algériens. Comme je l'ai souvent dit, la question est, par exemple, de l'autonomie de la Kabylie, c'est un plus pour la Kabylie, mais ce n'est pas un moins pour le reste de l'Algérie. Au contraire, c'est l'autonomie de la Kabylie démocratique qui va être le bastion, la citadelle qui va consolider la démocratie dans le pays. Hadji Nkouni de Kabylie ne doit pas être résumé, on ne doit pas résumer la Kabylie à une manifestation d'émeutier. Ce n'est pas notre rôle dans l'histoire que de faire de la contestation éternelle. Nous voulons, en tant que Kabylie, construire l'Algérie tout en construisant nous-mêmes et dans des relations apaisées et dans des relations d'union et de solidarité avec l'ensemble des Algériens. Et qu'est-ce qu'il pense, Hamoud, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il pense mettre Amastan ou mettre en Kabylie Amastan, Chouiter, vous qui vivez donc, qui est issu de la région non Kabyle, Constantine, et qui vit à Montréal, au Québec aussi, qui est une société distincte au Québec, au Canada, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Hamoud? C'est qu'il est en train de dire, il est temps maintenant de revoir l'Algérie autrement que ce qu'elle est maintenant, y compris des autres régions d'Algérie, ils doivent tenir compte de la donne Kabyle qui est quand même une société assez distincte des autres, comme le Québec l'est par rapport au Canada. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Maître Chouiter? Oui, mais écoutez, en étudiant le droit, j'ai étudié le droit constitutionnel. Oui. On a étudié ce qu'on appelle les institutions politiques comparées, et on a vu les systèmes. Il y a le système central et la décentralisation, et le système fédéral, quoi. Je pense que aujourd'hui, j'ai bien compris pourquoi le régime, depuis 63, il a tout fait pour isoler la Kabylie de toute l'Algérie. Il a toujours tout fait l'isolement. C'est, si je me permets d'utiliser un terme, c'est de ne pas que la Kabylie contamine par sa manière de lutter contre toute forme de despotisme et de totalitarisme, et aussi les valeurs de la démocratie, sans rentrer le contexte sociologique et historique de la Kabylie, l'immigration, donc tu sais, l'immigration ramène des idées, hein, des idées de partout, etc. Donc, dire que maintenant le régime algérien va donner un statut spécial à la Kabylie, moi j'en doute beaucoup. Sur la faisabilité du régime algérien. Donc. Mais ma conviction, même M. Hamoud, il a parlé très très bien sur les expériences de démocratisation partout dans le monde. Et en suivant les acquis des droits en matière des droits de l'homme, les droits de la personne, les droits culturels, les droits sociaux, les droits économiques, les droits civils et politiques, etc., c'est à chaque fois où il y a une certaine démocratisation d'une société où ce genre de débat peut être ouvert, donc peut être concrétisé même. Tu vois, il a donné un exemple, par exemple, du Soudan, à l'époque du général Omar, de la dictature d'Omar al-Béchiri, il y avait une impossibilité. Hein. Soit il y a la guerre civile, donc le Sud, il a été obligé de faire la guerre civile, donc avec un bilan de morts, etc., il a imposé il a arraché en quelque sorte son indépendance, mais en même temps,
la laïcité, enfin, disons, la neutralité ou disons la laïcité de l'État soudanais actuellement, puis le système de la régionalisation, c'est qu'après la chute du régime, tu vois, une fois la chute du régime, je pense que tout est possible, tu vois. Le fédéralisme ou la décentralisation ou la régionalisation, on a eu toujours la discussion avec Kamel, c'est pas une question de séparatisme, c'est une question de gestion de la cité, tu vois. Pour donner plus de prérogatives. Je pense que les régions, hein, je ne sais pas moi, les régions de Annaba, de Al-Qala, de Tbessa et de Garas, aimeraient bien d'avoir un système, un statut de gérer. Il ne faut plus que le ministère de l'Intérieur à Alger désigne quelqu'un d'une autre région gérer cette région, alors que, par exemple, nommer un wali de la Kabylie, un wali de la Kabylie ne sait rien. De la culture, par exemple, de la région de Al-Qala, Tbessa, Sogharas, ça. Donc, il faut laisser la propre population d'élire ses représentants. Moi, je pense qu'après le régime, tout est possible. Donc, moi, personnellement, il y a un espoir, parce que c'est le débat, c'est la liberté d'expression contre la liberté d'expression. Je me rappelle, j'étais très, très jeune étudiant, juste après le... Après la constitution de 1989, à Constantine, on a créé même, ce n'est pas la Kabylie, mais à Constantine, à l'université, on a créé l'association ISTUI pour la promotion de la culture amazigh. La petite période de liberté, ça a provoqué des débats sur la langue, en dehors de la Kabylie. En dehors de la Kabylie, il y avait des débats à l'université de Constantine sur la question de la mazérité. Bon, il y en a, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau dans une région. C'est tout à fait normal. Il y a une forme de résistance, de méfiance, de peur. C'est chaque chose qu'elle est nouvelle pour certains. Il y a toujours une certaine méfiance. Hein, donc, il faut l'expliquer. Donc, à mon avis, la proposition de Mahmoud, je pense que même si c'est elle est judicieuse, mais elle n'est pas réalisable tant que ce régime est en place. Tu vois, je pense que la chute du régime, processus de transition avec une assemblée constituante, tout ça, l'Algérie, par le territoire et par la diversité culturelle, hein, un Constantinois n'est pas comme un Oranais. Ça n'a rien à voir culturellement, la manière de vivre, la manière de l'art culinaire, ça n'a rien à voir avec par exemple les gens de l'Oranais, ou peut-être un peu, il y a une ressemblance entre les gens de Tlemcen, de Constantine, Blida, tout ça, par une influence des réfugiés de l'Indonésie, mais chaque région a sa propre spécificité, donc de ce côté-là, mais de côté aussi de pratiques gérées de façon centrale. L'Algérie de façon centralisée, ça a démontré depuis 62 jusqu'à aujourd'hui son inefficacité. Merci, Maître Schwitter, Mastan Schwitter. Je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire à Kamel Mouktfi. Kamel, Mastan Schwitter, je suis dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, la décentralisation n'a pas été le système. Qui a été le régime, même si nous avons dit que c'est la décentralisation. Il y a des gens Soudan, qui le système, ils ont décentralisé au maximum. Non seulement ils sont allés très loin, dans la laïcisation de la société, c'est du jamais vu. Donc, ils ont tenu compte de toutes les diversités culturelles, et confessionnelles. Comment tu expliques à Kamel des Soudan dans le mouvement, la résurrection, cette apparition en Algérie, le système est relié, l'Algérie est relié. Ok, c'est une question pertinente, Rachid, parce que
J'ai eu l'occasion de discuter avec Maître Schwitter, c'est un ami, donc on se voit ici à Montréal. Et puis j'échange aussi avec les autres amis qui ne sont pas kabyles. Et cette question d'attendre la chute du régime pour faire les choses, il n'est pas tout le temps, il ne faut pas toujours la voir comme une démarche machiavélique, genre politicienne, pour soi-disant faire tomber le système. Après, on va voir. C'est vrai qu'il y a des craintes quand on fait tomber le système, on va voir après. La majorité qui va décider de ce qui va se passer après, on sait comment il est fait. Mais la réalité, elle est là aussi, hein. Elle est là aussi parce que qu'est-ce qu'on peut faire tant que le système il est en place? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Rien. On ne peut rien faire tant que le système il est en place. Ça a démontré. Il a fermé le jeu politique. Il a fermé l'espace médiatique. Il y a Jabarbin, 23, une trentaine de chaînes privées clonées à partir de l'ENTV. On n'a pas accès le discours démocratique, le discours de conscientisation, d'ouverture au niveau national ne passe pas à travers ces chaînes de télévision-là. Elles sont fermées et c'est le système qui décide quel discours doit passer par là. Donc, si on échappe au contrôle des médias, notre discours ne passe pas. Le peuple ne nous écoute pas parce qu'on voit actuellement sur le terrain, à travers les médias sociaux, c'est un échantillonnage qui n'est pas tellement représentatif, mais c'est une réalité aussi. Il exprime une certaine réalité que des gens rejettent. Quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par tout ça, je ne vais pas les nommer, mais il y a une certaine obstination, il y a un certain entêtement par rapport à certains concepts, par rapport à certaines visions politiques, et des arguments sans fondement. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas cultivé, il n'y a pas de culture politique, il n'y a pas de culture tout court. Et cette culture n'a pas été transmise dans la famille, dans l'école et encore moins, enfin, non plus dans les médias. Donc, on a gardé un système insipide, un environnement où le peuple n'apprend pas. Il n'avance pas. Un peuple qui n'apprend pas, il n'avance pas. Donc, il devient sa vision, il devient embrouillé. Il ne peut pas comprendre la vision d'un Kabyle. Tu prends quelqu'un de Khanchila, il ne peut pas comprendre quelqu'un de Bouji. D'abord, il ne se communique pas, il ne se parle pas. Personne n'écoute l'autre. Parce qu'on ne peut pas s'écouter s'il n'y a pas de radio, s'il n'y a pas de télévision. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vont nous entendre, ils vont comprendre ce qu'on dit. Il y a d'autres, donc on va entendre d'autres qui vont leur discours, on va comprendre ce qu'ils pensent. J'arrive à la question des Grecs. Attendre la chute du système, ça peut se faire. On peut attendre la chute du système parce que nous n'avons pas le choix réellement. Moi, j'ai cherché à comprendre. Il y a ce qui pense le Coran islamiste qui utilise ça d'une manière machiavélique. Attendre de la chute du système, on verra après, il y a ça. Mais il y a aussi les gens qui sont honnêtes, comme Maître Schwitter. J'ai discuté plusieurs fois avec lui, il a des amis, il fait partie des gens qui pensent réellement parce qu'ils sont convaincus que le système ne tombera pas. Maintenant, il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts. La solution, il faut créer des ponts entre les élites des différentes régions d'Algérie. Parce que c'est les élites qui doivent participer, contribuer à l'éveil de la société, à l'émergence de nouvelles idées, à éclaircir un peu la situation au sein de la société. Donc, faire comprendre au peuple que la décentralisation n'est pas dangereuse pour la nation. Au contraire, tous les systèmes qui ont évolué de la dictature vers la démocratie, ils aboutissent automatiquement vers la décentralisation. Les plus grandes démocraties au monde qui ont réussi, c'est celles qui vivent sous une organisation décentralisée. Ça, c'est. Mais ça, on le sait, on le dit à un certain niveau de débat. Mais si le petit peuple, celui qui est manipulé depuis 60 ans et qui s'est abreuvé à l'école algérienne, aux médias du système, il ne va pas comprendre ça. Il faut lui dire quel est le moyen de faire
de ramener ce discours dans la tête, dans l'oreille de ce peuple-là, pour qu'ils comprennent que les plus grandes démocraties, elles ont évolué, elles évoluent maintenant dans des systèmes décentralisés, fédéralisés, etc. La laïcité aussi qui a été diabolisée, la neutralité de l'État aussi qui vis-à-vis des religions qui est diabolisée. Donc, l'hyper-religiosité dans la société, il faut la déconstruire avec un processus de sécularisation. Donc, c'est ça le processus de sécularisation. C'est le pouvoir au religieux, c'est le civil, c'est le pouvoir pour l'ingénieur d'hydraulique, on est plein de fausses idées qu'il faut déconstruire, et ça c'est le rôle de l'élite pour le moment, parce que il faut de la discussion dans les de rue, les échanges comme ça sur internet et tout ça. Donc il faut arriver à créer des ponts entre les intellectuels de la région kabylie, les intellectuels de la région oranaise ou constantinoise. Et de cette façon-là, on va faire comprendre que la Kabylie a des besoins, que l'Oranie a des besoins, que l'Est a des besoins. Et ces besoins-là se sont basés sur des spécificités régionales. Et ce sont ces mêmes spécificités régionales qui ont conduit à Ben Rdhan et Bumbulaïd à régionaliser la révolution, organiser les six-wilayas. C'est organisé en fonction des affinités culturelles, de ces spécificités culturelles et régionales. Donc, c'est un manque de débat, c'est le manque de canaux de communication qui ont fait que la chose ne peut pas se faire avant la chute du système, parce que une fois que le système tombe, on va se réapproprier ces moyens de communication, ces espaces de débat, et accéder à une certaine liberté de parole et d'exercice de la politique. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à structurer la démocratie, à créer un climat favorable à ces idées-là nouvelles qui sont la décentralisation, qui sont la laïcité. Donc, nous sommes obligés d'aller l'un vers l'autre, c'est-à-dire que la Kabylie ne doit pas s'isoler. Elle doit chercher des ponts ailleurs. Les autres régions aussi, elles doivent venir vers la Kabylie, chercher des liens, chercher de l'information, chercher à créer des échanges. Et c'est uniquement de cette façon qu'on va accélérer la suite du système. Parce qu'actuellement, le système, il a compris une chose. Il a compris que les médias, ils sont dangereux pour lui s'il les ouvre et les a fermés. Il a compris que la classe moyenne qui constitue la majorité, qui porte la classe, l'élite nationale, elle l'a corrompue. Elle lui a donné les moyens. Elle a investi sur elle. Et c'est pour ça que durant le règne de Bouteflika, la classe moyenne, la classe intellectuelle, elle était loin de la société. Elle a laissé la société naviguer dans le flou et s'est retrouvée carrément laissée pour compte. C'est ça qui a donné que la société s'est dépolitisée au fur et à mesure. Donc, voilà la réponse à ta question. Merci. Tanmit Kamal, Francis Lakiya, Doualaïma Thamou. Ça sera le dernier tour de table. Malheureusement, on est d'Hamar le Wakf. Il a dit qu'il y a des fonds à Wallis. Il a dit qu'il y a des fonds à Wallis. Il a dit qu'il y a des fonds à Wallis. Je vais vous dire qu'il y a Oui, d'abord, je dois un peu lever quelques équivoques à Rachid. D'abord, la question qui est des priorités. La question qui est des priorités, c'est un paradigme dangereux. C'est un paradigme dangereux. C'est-à-dire qu'on met les questions de Dawa en stand-by, c'est-à-dire de côté, parce que quand on demande le Dawa, par exemple, au statut particulier, à l'autonomie, ce n'est pas un privilège qu'on demande. Ce n'est pas un privilège, c'est un Dawa. Or, un droit n'est pas soumis à une attente quelconque. Un droit est exprimable. Il doit s'exprimer, un droit, en toutes circonstances. On n'est pas dans
dans le paradigme de la gouvernance, au sens où on va partager le pouvoir. Ce n'est pas dans ce sens qu'on pose le problème. On pose dans le problème de la reconnaissance de la Kabylie dans son statut particulier pour organiser de manière souveraine sa langue, sa culture, et la protéger et la développer. Et bien sûr, il y a les questions économiques et sociales, mais principalement, la préoccupation majeure, c'est la question de la langue, la question culturelle, etc. Donc, on ne peut pas, pour être clair, mettre sous le boisseau, ni mettre de côté un droit au profit d'une priorité politique aussi indispensable qu'elle soit. Je peux revenir même sur l'exemple de l'Iran. L'Iran, je peux renvoyer une interview de Machfela Rachid, c'est Han Saadi avec le premier président de la République iranienne, Benissad, oui. Dans laquelle il met en garde sur la prochaine guide des priorités. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple l'expérience iranienne, la priorité c'est de casser le régime du Shah d'Iran. Donc il y avait les communistes, les libéraux, les islamistes, etc., qui ont fait union commune pour abattre le Shah. Aux premières années, la première année après la chute du Shah, il y avait une reconnaissance kagan mutuelle de la gauche, etc. Mais au bout de 2 ans, on a vu les communistes pendus sur les poteaux. Donc il y a des questions essentielles qu'on ne peut pas mettre de côté. Les questions des libertés, les questions des droits ne peuvent pas être mises de côté par nécessité de résultats, de casser le système. Parce qu'en fait, ce qui est demandé, ce n'est pas un isolement de la Kabylie. La Kabylie, sur le plan historique, la Kabylie a toujours été d'un appoint pour la Lyre. On peut revenir jusqu'à 1713 avec l'invasion des Espagnols. En 1830, plus de 10 000 fantassins pour défendre Alger, alors que les Turcs, ils ont pris leur petit bateau pour aller à Svitken. Donc, dans les moments durs de ce pays, l'Algérie a été toujours de son côté. Et même dans le Hirak, dans ce mouvement, la Kabylie, malgré la stigmatisation, malgré les insultes, elle a même tenu le cap pour faire tomber ce système. Donc aujourd'hui, c'est une question de reconnaissance qui est posée. C'est un problème de reconnaissance. Parce que là j'invite tous les mouvements, tous les militants, tous les leaders, tous les hirakistes et les... Je leur demande la question suivante, je leur pose la question suivante. Pourquoi en 1954, on est aujourd'hui le 1er novembre, quand il s'agissait de lutter contre le colonialisme français, on avait fait le choix territorial? Est-ce que vous savez que Kerim Belkacem a imposé à l'époque que la Kabylie soit représentée en tant que telle dans le groupe des 6 qui ont conduit la révolution? Est-ce qu'on ne sait pas que dans le congrès de la Souman, on a été bien obligé d'adopter un système territorial dans lequel chaque wilaya avait son autonomie de gestion de la révolution? Alors pourquoi un système qui a fonctionné dans les moments durs, dans les moments pour la révolution, pour faire aboutir la révolution? Eh bien, nous, on considère que c'est une deuxième révolution. Et ce serait le moment idéal de revenir sur ce schéma. Parce que s'ils ont réussi dans les moments difficiles, en 54 et en 56, on est aujourd'hui dans la difficulté. Et c'est dans cette difficulté qu'il faut aussi reprendre. Parce que ceux qui ont fait le choix en 54 et en 56, ils ne l'ont pas fait de manière anodine. Ils l'ont fait en connaissance de cause de la réalité algérienne. Parce que s'il n'y avait pas eu ce découpage territorial en 54, la Kabylie ne serait pas mobilisée. Et nous savons quel a été le poids de la Kabylie dans le déclenchement de la révolution. Oui. La Kabylie porte des valeurs universelles. C'est des valeurs de démocratie, de liberté. On n'est pas dans l'isolement, on n'est pas dans la recherche d'un ghetto. On n'est
pas dans une région qui recherche à se conserver. Au contraire, c'est une Kabylie qui donne la chance vers l'ouverture. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de ce qu'elle propose comme destin collectif aux Algériens. D'ailleurs, dans la lettre que nous avons signée avec beaucoup de citoyens de Kabylie, c'est une démarche citoyenne, c'est un appel aux compatriotes algériens. Nous avons affirmé dans ce texte notre besoin de construire ce pays. Mais ce besoin de construire ce pays doit aussi s'accompagner par la reconnaissance de notre entité en tant qu'entité culturelle, historique et politique. Donc, il n'y a pas lieu d'opposer, en fait, la construction de la Kabylie et la construction de l'Algérie. Nous l'avons souvent dit, il ne s'agit pas de défaire l'Algérie pour construire la Kabylie. Loin de là, il s'agit de construire l'Algérie, la Kabylie, pour qu'elle soit d'un apport et d'un appui pour toute démarche de construction collective d'un destin national autour des valeurs démocratiques. Je vais enchaîner avec Maître Schwitter. Maître Hamou, il a dit, il faut faire attention, il a repris une étude qui a été faite ou bien entrevue Han Saadi au ex-premier ministre Ben Sadr de l'Iran. Il a dit, faites attention au terme, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la priorité, c'est cela. Les principaux activistes qui sont dans le mouvement actuellement et sont au courant de ça et parlent de préalable démocratique. Est-ce que vous partagez ce terme de préalable démocratique, Maître Schwitter? Est-ce qu'il faut vraiment le mettre sur table avant toute autre action? Avant de répondre, moi je suis tout à fait d'accord avec Hamou sur la question des droits. Il n'y a pas une priorisation des droits. Par principe, un État, il a des obligations à la fois juridiques, morales et politiques de faire respecter ses droits, tous les droits, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc voilà. Mais je parle de la question de la faisabilité. Kamel Moutefi, il a parlé tout à l'heure avec ce régime-là, c'est pas seulement un obstacle, mais il te sabote. C'est-à-dire que toutes les initiatives de rapprochement, par exemple, c'est un jour, je donne un exemple, mon ami Kamel, il va faire une conférence sur la laïcité, lui démontrer la neutralité de l'État, la nécessité d'avoir un État, des services publics neutres vis-à-vis des croyances religieuses, par exemple. Vous avez une machine de propagande du pouvoir, une grande machine de propagande, hein, non seulement la télévision publique, mais les chaînes TV privées, tout ça. Je les considère comme un ensemble de la machine, la machine de propagande. Elle détruit les valeurs ou le message, par exemple, que Kamel est en train de le diffuser à la population. Peut-être même on manipule, peut-être même on déforme, on diabolise, tu vois. Vous avez quelqu'un, excusez-moi du terme, un diable, tu vois, même peut-être pour les non-croyants, ils ne croient pas à l'existence du diable, mais le régime algérien est diabolique. Il est diabolique. Ce n'est pas seulement un obstacle pour faire diffuser. Moi, je t'ai parlé sur les conditions, un climat juste après 89 de liberté, de débat. On a eu, par exemple, à Constantine, des débats, tu vois, des jeunes, des activistes sur la masérité. Il y a des débats à l'université, donc ça commence le débat, tu vois. Mais une fois après, ils ont mis donc la fin du processus, il n'y a plus de débat. Il y a toujours la scène. Maintenant, sur le préalable démocratique, c'est clair, un mouvement de résistance, un mouvement, tu l'appelles comme tu veux, Hirak, révolution, etc., contre la fin d'un régime, c'est pour instaurer un régime démocratique, respectueux des droits et des droits de l'homme, c'est tout à fait normal. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu des discussions aussi avec mon ami Kamel à chaque fois. C'est une erreur, d'ailleurs, même dans les textes politiques, le respect des droits de l'homme. Moi, j'aime toujours la formule qui a été utilisée par les Marocains, les voisins marocains, dans la constitution marocaine elle-même. Les droits de l'homme ou les droits de la personne reconnus universellement.
Voilà, c'est pour mettre fin au débat sur les spécificités culturelles, etc. Donc, les droits de l'homme, c'est tel qu'il est reconnu universellement, c'est le droit international des droits humains, en commençant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes, etc. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce qu'on commence à faire des détails dans un mouvement dans un mouvement de révolution, de résistance, les détails, qu'est-ce que sera l'Algérie de demain? Je pense, moi, il faut éviter ce genre de débat, parce que les débats de détails, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, ça demande des compromis, quoi. Et ça, je pense que ce sera un rôle d'une assemblée constituante. Ça sera le rôle d'une véritable assemblée constituante élue par le peuple au suffrage universel et pas avec le norme électorale majoritaire, mais avec la proportionnelle. Faut que, il n'y aura pas une majorité absolue dans une assemblée constituante. Mais toutes les différentes, enfin, toutes les catégories, toutes les tendances seront représentatives. Tu vois. Ça va pousser pour avoir une majorité, d'avoir des alliances, de faire des compromis, etc. Donc, ce sont sur le plan technique, il y a une possibilité d'avoir, comme ça a été le cas en 62, 63, si je ne prends pas l'élection d'une assemblée constituante. Mais malheureusement, l'armée des frontières, quoi, où il y avait, on a vu l'assemblée constituante. En Algérie, comme vous avez eu des gens de la Kabylie, des députés de la Kabylie, vous avez eu des gens des ulama, mais vous avez aussi des prêtres catholiques. L'archevêque, à l'époque, l'archevêque d'Alger, il était député à l'Assemblée. Donc toutes les tendances, tu vois, c'était l'occasion, justement, d'édifier, justement, l'Algérie avec toutes ces compensante, soit ethnique, culturelle ou religieuse. Voilà, mais moi je suis pas contre, donc c'est une question de principe, mais c'est une question aussi de la faisabilité. Tu vois. Est-ce qu'on va rentrer maintenant, perdre notre temps, de mettre une stratégie de comment mettre le chaos, le pouvoir, parce que lui il reste pas tranquille, il reste pas, il va faire tout son possible pour qu'il reste. Où on débat seulement ce que c'est quoi la laïcité, quel genre de laïcité qu'on va choisir, c'est quoi, est-ce qu'il y a la française, est-ce que ce sera à l'américaine, toi, ça va demander beaucoup de temps, d'énergie, de savoir, de débat, des compromis. Est-ce qu'il y a une spécificité de la laïcité régionale on ne sait pas comment ça va se passer en Soudan, par exemple, toi. Les risques, il existera, les risques qu'il y aura des majorités despotiques si on choisit le norme, le mode de scrutin majoritaire. L'erreur, d'ailleurs, l'erreur dans les élections de 91, et le pouvoir, avec préméditation, il a choisi le mode scrutin, c'est le mode scrutin majoritaire, alors que, par exemple, le FFS. Hossein Dallaïrahmou, il a toujours revendiqué la proportionnelle. Parce que la proportionnelle, il n'y aura pas de majorité, il n'y aura pas de majorité absolue. Un parti ne va pas accaparer tous les sièges où il impose son point de vue. Tu vois. Il y aura peut-être une certaine majorité très simple ou parfois non, comme le cas en Tunisie actuellement. L'Assemblée, le Parlement en Tunisie, ils n'ont pas la majorité. Un parti n'a pas une majorité absolue pour qu'il gouverne seul, qu'il peut imposer son idéologie ou sa façon de voir les choses. Il est obligé de faire des alliances, dire les alliances, donc il est obligé de faire des compromis, de faire donc de renoncer à certains désirs, etc. Donc, mais c'est toujours, moi je suis d'accord avec le principe, mais question de la faisabilité. Est-ce que c'est faisable maintenant? Ah, moi, si c'est faisable, moi je serai l'Algérien le plus heureux qu'on établisse dès maintenant le système politique choisi par toutes les forces pour demain. Ah, moi je suis
Merci, Madame Stan, Maître Switter. Mohamed Boumdine vient de se déconnecter, donc la connexion n'était pas bonne. Pas grave, je finis avec Mokhtfi. Mokhtfi est le foyer de Kamel. Kamel, qu'est-ce que ça rend? Qu'est-ce que ça rend? Un pied d'île à le vote de Montréal, mais je vais dire qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de reportage de TQ5. نكوفري دا شكي دا غانا شكي ما كان نكوفري داني دي اوتاوا داني فو كان يديك دير دا حتى ولا حتى شكي تخدم ديو وما كي غاد سوا زاليست كنت سفرينيك في فيسبوك ناس بلي الحيره سيفيني ويفانا الدنيا دي واشو سيفيني دا شو دي سوير نوما كي غاد كينا على البوست كي تخدم دي فيسبوك كي كان انا كي كان سوخ سي كي سي سينيس كي كي وفات الدنيا دا شكي دران دي موريال دي الفوتا كي غير لك دو ساكي ودا غان بارابون على كي تخدم دي فيسبوك وي دونك هذا هذا لو كان يوث يونس لي كيف ندير نحمو لا كيستيون دو لا ريكونيسونس لا كيستيون دو لا ريكونيسونس رابيدمون باسكو سي انتريسون كوم كوم كيستيون سيت ريكونيسونس ك كيل كيل ايساي دافوار il essaie de l'avoir avec qui va reconnaître quoi parce que c'est la question il faut avoir ton vis-à-vis pour lui demander une certaine reconnaissance c'est un début de négociation, de négociation, de dialogue pour arriver à un consensus. Ce vis-à-vis n'existe pas encore. Elle n'existe pas. Il faut le construire, ce vis-à-vis-là. Il faut qu'il s'organise, il se structure. Et la chute du système, elle dépend, parce que je décèle dans sa question, dans sa façon de voir les choses, je décèle quelque chose qui est la solution à la chute du système. Elle dépend de cette reconnaissance elle-même. Parce que si on arrive à trouver ce consensus, des gens qui vont reconnaître ce que tu veux, et toi-même, tu vas essayer de reconnaître une partie de ce qu'il veut, ça s'appelle un consensus. Si on arrive à ce consensus, le système va tomber en 24 heures. Donc, construisons d'abord ça. Ça, c'est par rapport à cette reconnaissance-là. Ce qui s'est passé à Montréal, Montréal, c'est comme ce qui s'est passé ailleurs dans toutes les capitales au niveau mondial, la diaspora, les gens se sont mobilisés. Aujourd'hui, à Montréal, il y avait une marche. Donc, les gens, ils ont marché de la place du Canada vers le consulat pour dénoncer cette mascarade. Donc, ça a mobilisé des gens, donc ils ont marché. À Ottawa aussi, ils ont organisé une vigile devant le consulat, devant l'ambassade, pour, soi-disant, marquer la contestation, le rejet de ces élections-là. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, le système est toujours là, il passe. Donc, ils ont donné 4% de taux de participation dans la diaspora au niveau international, donc la diaspora en général. Donc, 4% ajouté aux 18. Donc, ça, en tout, ça fait partie des 18% annoncés à 18h au niveau national, donc partout au niveau national et dans la diaspora. Mais ça ne changera rien du tout. Le vote ne déterminera pas le sort de cette constitution. La constitution, elle sera applicable dès sa promulgation dans le journal officiel, donc après-demain. Maintenant, par rapport à ce que j'ai publié aujourd'hui sur Facebook, c'est la constatation. Moi, Rachid, depuis l'arrestation de Karim Tabou, avec quelques amis ici, on était choqués par son arrestation. Tout de suite après, on a appelé un rassemblement devant le consulat et tout ça. Il y avait aussi l'arrestation de Khadar Bourgara. Ben Khadar Bourgara, on pensait que c'était un règlement de compte entre lui et Gaid Salah parce qu'il avait attaqué et tout ça. Bon, mais l'arrestation qui a suivi de Karim Tabou, je n'ai pas vu, nous n'avons pas vu une dynamique qui est enclenchée pour demander leur libération. Le mouvement Al-Hira qui continue à marcher chaque vendredi, tout en oubliant ce qui s'est passé avec ces militants-là, même si ils portent les vendredis leur pancarte, leur photo, ils la portent chaque vendredi, mais il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action pour demander leur libération, soi-disant, la force du Hirak n'a pas été utilisée pour éviter les arrestations ou libérer ceux qui étaient incarcérés. À ce moment-là, moi, j'avais compris que le Hirak ne dispose pas de la force qu'il faut pour faire tomber ce système. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le 12-12 allait passer comme une lettre à la poste et le président va être désigné par l'armée et rien ne fera
en sorte que ce président-là ne soit pas le locataire de Moradia. Chose qui a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, moi, malgré que j'ai continué à être dans le Hirak, à créer de l'enthousiasme, à créer de l'espoir, parce qu'il ne faut pas te décourager, un militant ne décourage pas. Un militant, c'est un combattant, c'est un guerrier, il continue jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, l'usure n'est pas bon en politique. L'usure, il va tuer l'espoir pour demain. Donc, il vaut mieux se ressaisir tout de suite et dire que le Hirak, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est fini. C'est fini, le Hirak tel qu'on l'a vécu, il a fini sa mission. De ma responsabilité, je l'assume, le Hirak, il est fini, son esprit, il reste encore. C'est son esprit qui reste. Son esprit de revendication du changement, là où elle a l'armée dans les casernes, il doit continuer, mais sous une autre forme. Sous une autre forme d'organisation, il faut y aller organiser la société, il faut que les gens s'engagent en politique et de cette façon-là, comme Hamou le souhaite, créer des vis-à-vis avec qui, pour créer ces préalables démocratiques-là, les se mettre d'accord et aller vers une plateforme commune et mettre ce système dehors. Parce que le système est dangereux. Actuellement, il cherche à composer, il cherche à négocier et il va trouver avec qui négocier pour continuer à se régénérer et prendre encore 20 ans à l'avenir. Donc, ne perdons pas espoir, c'est possible de créer, donc d'aider ou de susciter à ce que d'autres régions s'organisent pour créer une coordination nationale, aller vers une conférence nationale de consensus, imposer ses préalables, possiblement faire échouer ce système et imposer les constituantes. C'est le seul moyen pour qu'elle soit salutaire pour l'Algérie. Merci Rachid pour l'invitation. Tanmir Kamal, merci beaucoup Maître Chouiter pour votre acceptation de l'invitation. Tanmir Tassini Ahmou Boumdini nous a quitté. Il vient de me le dire à travers un autre message, un message téléphonique, de s'excuser. Donc, سلام على جوك نسكا سيكين ومازال نوين اسكا سي نظن سي غزات سي غزات ونديني قيمة ذي ثالويث